Yo les gars, c'est du théâtre, comment ça va? Moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire, voilà, donc un petit commentaire posé sur un gameplay qui est du nucléaire au sniper. Faut voir, c'est un peu bizarre, au sniper, à la scarache, au pompe aussi. Donc le mec il fait du nucléaire avec 5 armes, bon il y a 3 mais c'est une expression mes amis, donc voilà, un 6 gameplay franchement. Vous allez voir le ratio final, le score final en fait. C'est vraiment conséquent, c'est mon meilleur gameplay au niveau du ratio je pense. Mais de loin, de très loin. Bon j'ai joué avec les killstreaks aussi. Parce que, enfin j'ai passé le prestige vu que c'était un week-end double XP, j'avais oublié de changer les killstreaks. Et du coup j'avais gardé ça. Et donc voilà voilà, donc je vous fais un petit commentaire, voilà. De temps en temps, tous les 1 mois à peu près on va dire. Voilà, pour vous parler de 2-3 trucs et de nouvelles quoi. Donc on va commencer tout de suite, donc déjà, voilà, donc Determined 2 va sortir mi-décembre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Determined, tout simplement, c'est le meilleur montage, enfin mon meilleur montage que j'ai fait, donc il y a 1 an. Et donc n'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs c'est sur ma chaîne, hein. Si vous ne l'avez pas vu bien sûr. Au passage, petite triple fille de Shadow Scarash, franchement ça me faisait plaisir de mettre ça. J'ai un peu fail la rolling mais c'est pas grave. Donc voilà, donc Determined 2, ça va être mon meilleur montage version 2 on va dire, donc qui va sortir normalement mi-décembre. Faut que je trouve un éditeur encore, c'est pas encore fait. Faut que je trouve un éditeur parce que c'est vrai que ça va arriver vite. Et il me faut un éditeur assez professionnel, enfin professionnel. Qu'est-ce que j'entends par professionnel? J'entends un truc assez clean, un truc qui me plaît, voilà, pas non plus simple, un truc assez travaillé. Bah par exemple tout simplement l'édit de Romsey qui m'avait fait Sénateur 1, déjà j'avais super kiffé. Ça me suffit largement, hein. Franchement je veux pas un truc où il y a 2-3 synchros avec déjà une motion tracking 3D, je kifferais bien parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien. Mais voilà, si vous connaissez des gros éditeurs qui peuvent éditer un montage, des gros éditeurs ou des éditeurs bons, hein, simplement, bah faites moi signe dans les commentaires. Sinon pourquoi il va sortir mi-décembre? Parce que bah déjà Advanced Warfare est sorti, lundi c'était le Day Zero et mercredi donc c'était mardi c'était la sortie officielle. Et bah il sort pas sur Wii comme vous le savez, donc ça c'est un peu dommage. De toute façon je pense que, je sais pas si je l'aurais acheté parce que déjà sur Ghost, vous voyez il y a personne, tu peux jouer qu'à 2-3 modes on va dire en vrai, hein, sans se mentir. Bon j'exagère un peu mais en gros c'est l'idée, il y a personne sur le jeu, c'est vraiment désert. Et même sur Black Ops 2, je veux dire, tu peux jouer à plus de modes de jeu, mais pas non plus à tous les modes de jeu. Et donc, bah, je vais acheter la Xbox One à Noël, avec Advanced Warfare. Mais je l'achète pas que pour Advanced Warfare, je pense. Ça serait un peu con, j'ai envie de dire. Je l'achète aussi pour Assassin's Creed Unity, sûrement. J'ai vraiment kiffé les anciens Assassin's Creed. D'ailleurs, merci à KML de m'avoir fait donner envie en fait d'y jouer. Donc je vais acheter ça pour ça, je vous ferai peut-être des, si j'ai le temps et si j'en ai l'envie, de vous faire des let's play en quelque sorte. Mais voilà, je l'achète avec Advanced Warfare. Et donc bon, en gros Determined 2 sera la fin de quelque sorte, je mettrai fin à mon passage sur Black Ops 2. Même si j'y rejouerai je pense. On passe à la petite nucléaire, vous pouvez voir, ça fait plaisir. Et donc voilà donc, par rapport à ça. Par rapport à donc, ouais, Xbox One à Noël avec Advanced Warfare, normalement. Aussi, je m'approche vraiment des 1000 abonnés, je suis à 10 abonnés des 1000 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Voilà, je suis pressé d'y arriver. Donc je ferai, je rappelle encore, un Open Lobby. Parce qu'on me demande sur Skype, ouais, est-ce que tu comptes faire un Open Lobby un jour? Bah là, je leur dis, au cas où, si vous avez pas suivi trop le truc. Voilà, donc je fais un Open Lobby pour les 1000 abonnés. Donc je le ferai, je sais pas quand, bah quand je les aurai, de toute façon. Mais je vous dirai ça dans une vidéo. Vous pouvez voir le score final qui va apparaître maintenant, 43-0 dans 43 le ratio, donc ça fait super plaisir, c'est un excellent ratio pour moi. Et mon meilleur sûrement. Donc sur ce les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire si ce commentaire vous a plu. Alors en tout cas moi j'espère qu'il vous a plu, et sur ce les gars je vous dis à la prochaine, allez ciao.